Hello, ici PHV13 et bienvenue aujourd'hui sur Diablo. C'est pas jeune, jeune cette histoire-là. Puis, ça a été un des premiers jeux dans le genre-là sorti, fait que je me suis dit, aussi bien jouer à lui. Comme ça, on pourra faire toute la série Diablo, ça va être de fun. Puis, contrairement aux autres, lui, c'est presque un jeu d'horreur, tellement que c'est rush à comparer les autres. Puis vu qu'on a comme un petit peu skippé l'intro, je vais leur faire jouer là. Oh, les beaux vieux graphiques de l'époque. Hey, j'étais jeune quand ça sortit ça. Je sais pas que je suis rendu bien vieux, mais ça a 20 ans ça. C'était pas fait pour du HD à l'époque, hein, on s'entend, il y avait même pas ça. Bon, on commence. Et ouf, j'avais essayé, parce que j'ai eu quelques problèmes à démarrer le jeu, là, c'est bien évident, là. J'avais essayé de jouer, voir comment ça fonctionnait, puis ouais, je voulais passer lui. Ah non, ça part pas, mais bon. Avec la chance, mais qu'on embarque, ça va disparaître, ça. Quel nom on va lui donner? Oui, oui, oui. Je vous dis, ça se peut que ça bug souvent. Comme, je vais prendre le choix entre le guerrier, le sorcier, puis... ouais, ouais, ouais. Oh. OK, ouais. On va dire que tout va bien. Ah, voilà. Bon. J'ai décidé de prendre la rogue. Qui est archer, tout ça, là. Et tabouin, c'est... On va vraiment voir tout ça, là. En tout cas, mais que je rentre dans le jeu, ça va s'arranger, là, mais là, ça s'arrange pas. Fait qu'on va écrire un nom. Comment je peux me l'appeler, moi? Ouais, c'est ça. Moi, ouais, il y avait le sorcier, le guerrier, puis la rogue. La rogue, c'est que elle est compétente avec les arcs. Fait que je prends celle-là parce que, contrairement au guerrier que je risque de rusher pendant certains boss, elle, je peux attaquer à distance sans que ça me coûte des ressources comme le sorcier. Bon, on va l'appeler... D'après moi, je vais faire une petite coupure là-dessus parce que les noms, c'est tellement pas mon fort. Oh, tant pis. Tiens! Et nous voilà! Oh boy! Wouh! Un et quatre. Ah oui, dans ce jeu-là, l'or prend de la place dans l'inventaire. C'est en tant que c'est le premier de la gang. Juste checker. Y avait-tu...
Non, j'ai pas de map dans la ville. Bon, on va aller jeter un petit peu au monde, savoir ce qui se passe, même si on s'y en fait déjà. Farnham the Drunk. Farnham l'alcoolique. Time to fall drinking peace? Oh boy, je sais assez de la petite là, la façon de parler. If I was you, and I ain't, but if I was, I'd sell all that stuff you got and get out of here. That boy out there, he's always got something good, but you gotta give him some gold, or he won't even show you what it's got. Ouais, il y a un personnage dans le village qui, à qui on peut donner de l'argent pour qu'il nous donne un objet. Mais techniquement, c'est pas tout le temps bien ben pratique. Je vais aller par là. Oh. Oh boy. Ça me ramène loin, cette histoire-là. Hey, j'ai déjà joué sur PlayStation 1 à ça, pis... Hello. I sense a soul in search of answers. A chest opened in darkness holds no greater treasure than when it is opened in the light. The storyteller Cain is an enigma, but only to those who do not look. His knowledge of what lies beneath the cathedral is far greater than even he allows himself to realize. Ok, elle parle de Cain, le petit vieux qui est dans le village. Elle, c'est Adria. Puis, elle peut nous vendre des potions puis os. Puis des objets, genre, comme des staffs, ben des bâtons de mage, puis des livres de santé. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, hein. Fait que je fais back. On peut aussi, oui, il y a des bâtons qui ont des charges de compétences dedans. On peut les tout simplement les recharger avec elles. Oh boy, ça courait pas dans ce temps-là, ça courait pas. C'était pas pressé. Même s'il y a des démons partout en dessous d'eux autres, ça, c'est pas pressé. Bon, on va aller voir le monde dans le village. Salut, lui c'est Chris Wood, le forgeron. Wow, what can I do for you? Avec lui, on peut acheter des armes et des armures. Pas bien, bien compliqué. On peut réparer nos objets. Un truc important dans ce jeu-là, ne jamais oublier de réparer ses objets, parce que si t'as une bonne armure ou une bonne arme ou quoi que ce soit, pis qu'il n'y a plus de... comment dire, qu'est brisé, ben c'est pété pour de bon. Ça, une fois, je me suis fait avoir avec ça, puis j'étais en sacré potentiel. If you're looking for a good weapon, let me show this to you. Take your basic blunt weapon, such as a mace. Works like a charm against most of those undying horrors down there. And there's nothing better to shatter skinny little skeletons! Okay. Comme vous pouvez voir, on peut acheter des objets basiques, comme c'est écrit. Et vous voyez les trucs requis comme ça, ça prend de la dextérité, ça prend de la force. On a aussi des objets premium, des objets magiques. Je vous dis, les boosts magiques sont pas hyper débiles, surtout pour le niveau que je suis là. Bon, à ce stade, on va aller voir Ogden, le propriétaire de la tête. Thank goodness you returned. Ouais. Much has changed since you lived here, my friend. All was peaceful until the Dark Riders came and destroyed our village. Many were cut down where they stood, and those who took up arms were slain or dragged away to become slaves, or worse. The church at the edge of town has been desecrated and is being used for dark rituals. The screams that echo in the night are inhuman, but some of our townsfolk may yet survive. Follow the path that lies between my tavern and the blacksmith's shop to find the church and save who you can. Perhaps I can tell you more if we speak again. Good luck. Merci. Hop, il y a un truc spécial dans le jeu là, c'est que il y a quelques quêtes optionnelles, on peut dire, qui varient d'une game à l'autre, d'une partie à l'autre.
Exemple, vous créez un personnage, vous avez quelques quêtes optionnelles, puis si vous créez un autre personnage, vous allez avoir d'autres quêtes optionnelles qui sont pas nécessairement les mêmes. Pépin le soigneur. What ails you, my friend? Je vais te parler de Pépin. While I use some limited forms of magic to create the potions and elixirs I store here, Adria is a true sorceress. She never seems to sleep, and she always has access to many mystic tomes and artifacts. I believe her hut may be much more than the hovel it appears to be, but I can never seem to get inside the place. Peut-être qu'elle tripe pas sur ce que tu essaies de fouiller chez elle. Bon, ici on était. Bon, on va parler au petit vieux Gain. Gain le sage. Je fais ça de même. Hello, my friend! Stay a while puis, and listen! Des objets, mais si je m'en rappelle bien, ça coûte l'argent. Bon, ben on va parler. While you are venturing deeper into the labyrinth, you may find tomes of great knowledge hidden there. Read them carefully, for they can tell you things that even I cannot. Bon, c'est sûr, pour l'instant, tu sais pas grand-chose. Bon, on va aller voir plus loin. Il y a d'autres personnes ici et là. On va aller jaser vite, vite, histoire de... Ben, d'avoir un petit peu d'histoire là-dedans. Gillian the Barmaid, la Barmaid. Good day. How may I serve you? Ah, ben, t'es pas obligé de me servir, mais tu peux au moins me dire quelque chose. Cain has been the storyteller of Tristram for as long as I can remember. He knows so much and can tell you just about anything. About almost everything. Ouais, c'est un petit vieux qui en sait beaucoup, mais qui a de l'air de pas en savoir assez. Pour la suite, là. Pour les suites, là. Ah sérieux, l'eau qui bouge pas, tout ça, on dirait qu'on est sur une vieille maquette. Non, c'est drôle. Excusez. On va aller voir ici. Il y a de l'air d'avoir rien, là, mais... Il y a Wirt de Peg Leg Boy. En tout cas, c'est un unijambiste, on peut dire. Il y a une jambe de bois ici, comme les pirates. Psst! Over here! Lui, il y a quelque chose de spécial qu'il peut nous vendre. Mais ça va coûter 5 ans, puis on peut pas le voir avant. C'est un petit peu de l'arnaque, ça, en fait. Farno, now there is a man with serious problems. And I know all about how serious problems can be. He trusted too much in the integrity of one man. And Lazarus led him into the very jaws of death. Oh, I know what it's like down there. So don't even start telling me about your plans to destroy the evil that dwells in that labyrinth. Just watch your legs. Pas pour être méchant, mais... Fais gaffe à tes jambes. D'après moi, c'est ça qui est arrivé à lui, ça en a fait bouffer une. Bon, à part de ça, y'a rien ici pour l'instant. Peut-être qu'il va avoir de quoi de plus tard, je ne me rappelle pas par cœur du jeu, ça fait longtemps, là, on s'entend. Oh, sérieux, la manière dont ça avance, là. Oh. Bon, j'avais visité pas mal tout le coin. C'est quand haut. Une petite maison, qu'est-ce que tu as fait, ouais. Ce que je vais faire, je vais aller retourner voir Adria. Parce que j'ai un petit truc, moi, pour ce jeu-là. Bon. Tout le monde va le connaître, mais tous ceux qui sont assez vieux pour, parce que les autres ont oublié ça. Bon. Mais je suis tellement nul. Vous prenez votre arbre, vous le déposez là, vous reculez un petit peu, vous avancez. Oh, shit. Ok, je suis vraiment nul, ok? Moi, là, ça fait longtemps. Non! Ramasse ta potion. Le truc, vous allez le voir, mais je le résiste. Ramassez ça, puis vous ramassez une potion en même temps, puis vous droppez. Vous voyez, c'est marqué 100 pièces d'or. Ça vous droppez 100 d'or. La potion, c'est changement. Là, vous ramassez toute la cash. Vous avez 200 d'or. Comment dupliquer son cash exponentiellement? Ça,
C'est un petit peu de la triche, j'avoue, mais c'est très pratique parce que, contrairement aux autres, lui, c'est le plus roche de la gang. Hello, I sense a soul in search of answers. On va acheter des potions pas chères, ok? Les potions de mana, ça marche pareil. Oh non! Hé, hey, que je check pas mes affaires, moi, je pense. En plus, là, ça va lui surprendre. Je vais faire attention, oui, excusez, mademoiselle. Bon. Inquiétez-vous pas, je vais faire un petit montage avec ça. Okay. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai plein de petits tas d'or sur mon master. Mais, c'est des tas de 5000 sauf un, mais... C'est juste ça le petit, on peut juste avoir 5000 dans un tas de pièces d'or. Bon. Fait que c'est un, on va aller... I sense a soul in search of answers. Pas besoin de staff ni de livre, j'ai juste besoin de trucs de soin, scroll of healing. Ok, on va voir. Ok, ok, regeneration, ça soigne la vie, le mana. Là, vu que juste des potions de mana, on va prendre... Ok, on va prendre ça. Bon. Bon, on devrait être pas pire avec ça. Je vais aller chercher... Ben, je vais aller voir si je peux m'acheter des armes, des trucs, là. Parce que c'est bien pratique, tu sais, avoir des... un équipement adéquat pour commencer, parce que ce jeu-là, il est pas mal plus... intense. Wow! What can I do for you? Oh, je vois ce que t'as comme objet que je peux utiliser. Rag. Dag. Rag. Dag a rag a dag a rag a dag. Non. Par contre, celui-là... C'était pour pire. Shim, ça me sert à rien. Cloak. Non plus. Ah, oh, vous voyez, excusez. Vous voyez ici le... Dur! C'est marqué, mais c'est durabilité. Ça, c'est 16 sur 16. Ça, c'est en tant que tel le nombre de... On peut dire qu'il peut encaisser avant de péter. On peut dire que c'est le genre de point de vie à l'arme. Ou à l'arme. Dépendamment de ce que vous prenez. Sword. Oublie le sword. Je vais prendre le rag. Shield, cloak. Ok. On va checker dans les basiques. Système d'abord. Quel cap. Shield, sword, front word, left, blablabla. Un cap, la marque, là. J'ai déjà une marque. Bon. Parce que je vais faire juste pour une cap. Livre de shop. Oh shit. Les jolies armures. Oui. Bon, là, on va partir à l'aventure. Oui! Ça a tellement l'air de me sentir en plus. Bon, et voici la fameuse cathédrale maudite avec un dos à moitié mort. Un villageois blessé, blessé. Je se fait un simple jambe bouffée. De... Allô? Oh, tabarnak. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus, he led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Regardez, je vais pas prendre de chance là, je vais sauvegarder tout de suite. Juste parler, ça fait une feuille plantée, j'ai eu peur à ça perdre les popettes. Regardez, il y a un joli cimetière ici avec des trucs pétés, puis il y a d'ombres rouges qui sortent de partout. En tant que tel, il n'y aura pas de monstre en ville. Fait qu'on va aller tout de suite dans la cathédrale. Ouf, hey, il m'a fait peur lui, ça a comme figé. Non!
The sanctity. Ow! Mes nerfs! Ça prend tellement mal. Fuck. Je m'éclate. Hein. Non, mais. T'as une putain d'or! Hey, non, mais ça prend vraiment pas rien. Mon armure des genres de magie. J'ai pas pensé à checker 5 sur 6. Ok. Et ici, on a une charmante petite map. Oui, mon enfant, tu vois, je vais te canarder. Ah non, il me court pas après. Parce que contrairement aux autres, notre vie se régénère. Pas. C'est vrai, y a pas de bouton raccourci pour voir les objets sur le sol ici. Ouh, ça, c'est ma fille, le personnage. Elle s'appelle Ton Amar. Vous voyez, ma force, ma magie, ma dextérité, ma vitalité, blablabla, toutes les stats. Oh, toi, mon petit sapin, pas prêt, rapproche-toi dans le voir. Ah non, pourquoi j'ai plus de touches? Y'a pas. Non. Y'a vraiment pas de touche qu'on puisse voir les objets sur le sol, ça c'est pas dégueulasse. Y'a quoi ici? Une cape, ok. Pas une cape. Ouais, c'est une cape, ok. Non, mais du coup, je me dis, c'est peut-être un. En anglais, c'est peut-être pas le même affaire. Qu'est-ce que je dis là? Des squelettes. Oh non! Ouais, fait que les trucs piégés, mais ça date pas du deuxième ou troisième diable. Il y en avait vraiment dans le premier. C'était dégueulasse. Parce que dans le premier, tu pouvais tellement pas être tué juste à cause de ça. Est-ce que dans le 2 ou dans le 3, t'as aucune chance de vraiment crever pour ça? Là. Bon, la petite map, là, ça va là-bas. Bon, je vais vous dire, je vais explorer tous les étages au complet parce que je tiens à être au maximum. Chapeau magique! Et je peux même pas identifier cette merde. Bon. Merde! Merde! Pas quelque chose à toi? Ah, ici! Je vais vous dire l'invention du truc qui. La touche, la course qui me permet de voir les trucs sur le sol, c'est tellement merveilleux! Non! Non! Touche-moi pas! T'es même pour me toucher, non? Oui, pas! Rendez-vous compte, ça c'est des petits. Des petits déchus! Sérieux, ils ont tellement changé depuis le premier. Oh! Eh! Hey, vous voyez ici, c'est l'escalier pour le prochain niveau, mais je vois pas tout de suite. Question. Eh, hey, j'ai tellement peur quand je pète de tout. Ah! Ça paraît pas, mais. Mais non, je vais avoir un explosif sur la gueule. Et j'hésiterai pas à sauvegarder dans le jeu là. Croyez-moi. Pas tes mères. Bon, et on a par là et par là. Ouh. Y'a rien droppé. Oh. Zombie en vue. Squelette en vue! Arrête de courir dans le bord pis de l'autre si tu veux que je te tue! Scavenger, oh, c'est les petits. Ok, c'est parce qu'il y a une porte. Non, mais ils sont pas très intelligents dans le premier, on s'entend, ils sont. Ça faut ouvrir les portes! Retourne dans mon champ de vision que je te calme, mon. Ah, mec! Hey, mais c'est pas pire pareil avec un marcheur. Tu n'as pas d'en face du monde, t'es bien. Bon, ça c'est un sanctuaire. Et ça, sérieusement, je m'en rappelle plus du tout quel sanctuaire fait quoi parce qu'ils ont tous des trucs différents. C'est un peu n'importe quoi ça. Crimson. Oh, ça a changé ma potion à ça. Ouh. Change mes potions en potions de regeneration.
pont. On va aller de ce pont-là. Est-ce qu'il y a un autre taré au port? Oui, merci. Oh, j'ai monté à niveau! J'ai 5 points. Voilà, encore, je vais mettre ça, mais. On va commencer par en mettre là-dedans. Puis un peu là aussi, parce que j'ai besoin de vivre. Là, on sauvegarde. Je vais souvent sauvegarder. C'est le problème, si je fais une sauvegarde à un mauvais moment, je vais être dans la merde. C'est parce que je peux tellement mourir pour des conneries dans ce jeu. J'ouvre un tonneau, il m'éclate en pleine face, je suis mort. Bah, peut-être pas direct, mais regarde, pratiquement me fait tuer par des tonneaux. Là. Ok, ton chapeau, il est cheap. Il est cheap. Oh non, j'ai oublié de quoi. J'ai oublié de la pomme. Un parchemin de portail. Parce que sinon je devrais tout le temps me retaper les trucs à pied, puis ça c'est chien. Bon, on va redescendre. Hey, c'est drôle, on va comme plus vite quand elle marche sur le côté que si elle marche en ligne droite quand même. Petit réponse. Merde, même si t'étais déjà mort. Bon, rien rapé. Quel petit. Oh, d'accord. Peut-être que moi, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas sectionner la torche. Oh non. Danger ultime, les tonneaux. Bon. On va... un à la fois. Oh, espèce d'un... ouais. Non, mais d'après moi, les tonneaux, ça enlève un pourcentage de vie, parce que sérieux, le nombre de dégâts que ça peut faire, c'est des tonneaux de barbe. Oh, hello! Y'a du monde ici? Ah, j'en ai tué un, ça fait rien. Allez, canard-moi ça, man! Ah ouais, go! Dance! Dance! Ah ouais! Des jus qui se promènent en rond autour de moi, mais t'inquiète pas. Et croyez-moi, je m'en vais. Ouh, le bouclier, je peux pas porter le bouclier avec mon arme. Ouais, mais ça, ça va être... les zombies! Les zombies! J'ai décapité un zombie. Oh, vous êtes poigné là, vous autres. Vous êtes poigné là, hein? Ouais! Ha ha! Tac tac! Qui est là? Que des morts! C'est une bonne chose quand les morts restent morts. Juste regarder mon armure. Ok, ça a pas descendu. C'est bien. Non, ok, y'a rien. Allez, ici. Oh shit! Pousse-toi, man! Ben, woman! Tance-toi, tance-toi! Cabane! Excusez là, mais je tiens à pas me faire tuer. I have no room. Now where would I put this? Oh shit! Déjà plein? Ah, peux-je parler à vous? Non, t'as ça là, prends ça là, mets ça là. Ça, c'est pas combien de place t'as fait là? Ça, ça prend tout ça! Fudge. Bon. Je n'ai point trop le choix, vu que j'ai pas de portail, je vais devoir aller vendre en ville. Inquiétez-vous pas, je vais skipper quelques petits bouts parce que ça se calait de long. Bon, je profite du fait que je suis en train de identifier. Stay a while and listen. Dans le back, bye bye.
plus 1 dextérité et 1 4. Ah, c'est bien. Le reste, j'utilise pas ça, fait que je peux tout vendre sans problème. Wow! What can I do for you? Je vais te vendre. Oh, une cape, ok. Hey, wow, mélange what cape, can I do cape, for you? Parce que des deux, c'est... Cape, puis cape, regardez, je mélange. Bon, on va vendre ça, vendre ça. Tac. On va checker ce que t'as dans tes objets. Rag, non. Shit, l'autre, squirt, blablabla. T'as rien d'intéressant, toi. Mais par contre, vu que j'ai de l'argent, moi, je vais réparer mon stock. Ça, je répare pas le bâton, je vais le vendre. Ouais. Et qu'on est reculé loin dans le temps aujourd'hui. C'est pas un mauvais jeu, sérieux, c'était un très bon jeu. Ça, ce jeu-là, c'était comme la révolution à l'époque. Des jeux vidéo. I sense a soul in search of answers. Je vais te vendre le staff parce que j'utiliserai pas ça. Pour l'instant, je pense pas utiliser tout de suite de sang, parce que je peux bien vendre ça aussi. Mais je veux checker ce que t'as à me vendre. À moins qu'elle ait. Non, pas de. Oh. I sense a soul in search of answers. Non. Bon, mon parchemin de portail. I sense a soul in search of answers. Non, je veux vendre cette potion de mana. Voilà. Je garde un parchemin de portail avec moi parce que pour l'instant j'ai pas. Oui, est-ce que. Ouais, j'ai oublié de dire ça. Ce qui est spécial dans le jeu là, c'est que c'est un des livres de compétences qu'on trouve. Des armes trap. Comment tu sais que j'ai des armes des pièges? Je sais même pas s'il y en a. Ben, je vais prendre ça. Même si je suis pas sûr que ça me serve à bien grand chose. Ouais, c'est ça, c'est les livres qui servent. Pour avoir des compétences, plus t'as de livres d'une compétence, plus ça monte, mais plus t'as besoin de stats pour pouvoir l'utiliser. Puis on a un livre pour les portails, que ça je vais prendre le prochain livre, hein, si j'en trouve un. Bon, on est revenu ici. C'est quoi qu'il y avait à terre? C'est-tu... Non, c'est un peu plus loin. Hein? Ouais, c'était dans ce coin-ci. Le bouclier! Mais c'est vrai, le bouclier. Oh, shit! Il y a des squelettes, l'autre part. Bon, ben, je vais aller checker ici, là-bas. Mais... Merde, zombie! Mais merde, zombie! C'est pas une arme au corps à corps, ce que je cherche. Non, mais il y a des petits mobs là-dedans, mourir dans l'autre. Et voilà! Rien de plus simple que de buter toutes les tarés qui se tiennent au bord d'une porte qui prennent pas la peine de l'ouvrir. Je crois que ça a rapport avec mes chances de toucher mes cibles, je sais pas. Sérieusement, il faut vraiment que j'aille checker c'est quoi toutes les sanctuaires spéciales qu'ils font parce qu'ils ont toutes des trucs différents puis c'est pas évident. Il faut vraiment que ça fasse comme un effet que tu remarques tout de suite pour être sûr que t'es. Hey, c'est ça que ça a fait depuis là-dedans, tu sais. Bon, mais ici c'est fermé, hein. Il faut passer par le pas. La
Rogue. Je vais juste... Salut! Oh, j'ai gagné un autre niveau! Pour l'instant, je vais surtout booster ça. Je sauvegarde. Ah! Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi? Non! Petit démon! Vous allez tous mourir de mon arc sauvage. C'est pas l'objet à taille, non? Oh, je peux pas! La porte est bloquée. Oh, à cause qu'il y a un cadavre dedans! Bon, au moins, il y avait ça de réaliste. Hein? C'est un cadavre en porte, tu peux pas fermer la porte. C'est un cadavre! C'est pas comme dans certains jeux qui étaient plus récents, qui avait... Il y a du cache partout, là. C'est quoi, ce jeu-là? Oui, ramasse tout, ramasse tout, oui! Pas de temps magique, que je me servirai même pas. Enfin, mec, il va me rapporter. Il n'y a pas de passage secret, rien pour passer là. C'est un peu tapé tout. Ok. Je vais assumer. Ça me dit que c'est Diablo. Hein. Ben, Diablo, c'est Diablo. Faut pas dire Diablo. Hein. Parce que c'était pas genre écrit, genre que. Oh, on va faire un premier, après ça on va en faire d'autres, puis on va prendre une couple d'années de différence entre chaque, juste pour être bien sûr de faire patienter le monde, t'sais? Non... C'est drôle la façon dont ça marche, t'sais, c'est comme... C'est mécanique. Oh! C'est la vertueuse, c'est comme ballon, c'est comme pouh! C'est tout? Ah non, il meurt pas! Bon, ben on va aller dans l'autre pièce. Hello, squelette, bye-bye, squelette, bye-bye, l'autre squelette, bye-bye, l'autre squelette! L'autre squelette! Ouf! Hey, j'ai failli manger une saloche, moi! Non, 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 non! T'as tombé des mobs ici, pis toi, je t'ai vu! Bon, pis toi avec! Je check ce qui traîne à terre là. Toi, je te vois arriver de loin. Mais merde! Arrête de pousser ça! J'ai tendu un piège! Tu vas regretter ça! Toi avec! I have no room! Shit! Il n'y a plus d'espace, bordel. C'est Diablo, non? Ben, c'est Diablo. Bon, t'en as de l'espace. J'avais pas inventé ce concept-là de triage d'inventaire dans le temps, bon. Rien vaut du bon vieux homemade triage d'inventaire, hein? Tu vas mourir! Mais arrête de courir! I can't carry anymore. Hey non, mais c'est un arc magique! Tu vas pas laisser ça à terre, innocent! Pointe ça! Non identifié. Bon! On va continuer. Il y a un nouveau bloc. Ok, ici. Ah, j'ai tiré dessus, puis les jambes sont parties chaque bord. Rien d'autre qui traîne à... Steph. Bien. Yeah. Regarde, vu que je suis proche, là, de... Bon, pas un peu, ça c'est l'escalier pour le prochain étage. En tout cas... On va aller voir dans le... Et voilà le fameux portail. Old style. La peur s'est lue dans mes yeux. J'ai une chance que vous les avez pas vus, moi. Non, mais c'est parce que vous avez pas vu ça, vous autres. Ça a fait comme tout noir. Plus rien.
pendant un bon 4-5 secondes, j'étais comme... Non, ça va pas eu. Hello, my friend! Hey, dude! Il va se filmer dans le... l'arc. Quick attack? Ça peut être, oui. T'as un bonus de dextérité, pis toi, t'es quick attack. T'es en train de dire, je peux tirer encore plus vite avec ça? Je vais essayer. Wow! What can I do for you? Niaiser avec des objets là. On va juste. Wow! What can I do for you? Achète mes cochonneries que j'ai ramassées, je vais être bien content. Wouh! Des bâtons là. Bon. Là, bon, le staff, ça, le bâton, je m'en fous un peu. Bon, cloak de durabilité. Ben, pas dur à lutter, mais... Il fait de ce débat qu'il y a. Shield, pis ça, club, oublie ça. Strong Gate. Plus 31% d'argent, pis ça me donne du genre 3. C'est du jeu. Bon. Ça, on va checker... Un texte. Oh, on va garder celui-là. Bon. On va aller voir Adria, la sorcière. Sérieux, moi, à ta place, là, je me serais peut-être un peu plus habillé, parce qu'il ne doit pas faire chaud dans les souterrains. Pitié, un parchemin ou un livre de portail. I sense a soul in search of answers. Ok, un scroll pour le portail. Oh, mais tu me niaises, t'as même pas de compétences! Tic tic cheap. On va retourner dans la cathédrale. Par le portail! Sauvegarde. Bon. Pourquoi j'ai putain encore ce bouton pour. J'ai plus que. Non, non. Ah là. Ok. Ouais, pourquoi j'ai plus encore ce bouton moi, pour voir les objets sur le sol quand qu'il n'avait pas cette option là dans le temps. C'est tout. Oh, potion de soin à taille. Ooh. Je pensais que je venais de trouver un passage secret, mais non. Bon, ben... oui, par là. Non, non, ok. Moi, j'ai cru voir le go à terre, mais c'est de quoi sur le sol? Impérial. Bon, mais j'ai fini tout cet étage-là, m'a fini la vidéo ici, ça fait un petit bout de tournage, juste, attendez un peu, on se regarde pour être sûr de pas se planter. Donc, merci d'avoir écouté, like si vous avez aimé, partagez si vous voulez, que le monde voie, puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, à plus.